Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, et le ministre kényan de la défense, Aden Dual, ont procédé à la signature d'un accord de défense. C'était à l'issue d'une réunion qui s'est tenue à Nairobi ce lundi 25 septembre. Cet accord va permettre au Kenya d'obtenir des ressources et un soutien pour le déploiement de sécurité en Haïti. Il va également guider les relations de défense des deux pays pour les 5 prochaines années. Le Kenya s'apprête à diriger une mission multinationale de maintien de la paix en Haïti pour lutter contre la violence des gangs. Le secrétaire américain de la Défense remercie cette aide volontaire du Kenya et a réitéré l'engagement du gouvernement américain à travailler avec le Congrès pour obtenir le financement de 100 millions de dollars. Pour rappel, le ministre haïtien Ariel Henry avait réclamé à l'Organisation des Nations Unies le déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité policière et militaire la semaine dernière.